Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 43ème épisode de notre Let's Play sur Marvel Spider-Man sur PS4 et 4ème épisode dédié au 3ème DLC du jeu, le retour de Silver. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve là où je vous avais laissé la dernière fois. On avait... comment dire... l'épisode de la dernière fois était un épisode de base, jeu de mots. Dans le sens où on a fait les repères Olympus, on a capturé Screwball et... on a terminé sur un enregistrement de scène de crime et ça nous a débloqué un nouveau collectable. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer les collectables. On a une mission qui vient de popper, je viens de la voir. Donc on va aller faire Edumen. Et après, bah, on va peut-être attendre une mission pop parce que ça pourrait être bien de savoir quoi faire. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, hashtag épique EPIC, hashtag fail et fail, plus le moment exact que vous voulez voir rajouté à la compile sans plus tarder. Eh ben, on va commencer par mettre par ça et c'est Spider-Man. Parti. Spider-Man, j'ai récupéré toutes les caisses et je me dirige vers l'ambassade. Mais j'ai l'impression d'être suivi. Où êtes-vous? Je ne suis pas sûr. Enfin, je... David? David? Tenez bon, j'arrive. Les hommes d'Amorel savaient que David serait seul et vulnérable. J'aurais dû devoir venir. Courage, David. Ok, oh, ah, attends. Ah, je l'aperçois juste en dessous. Et juste là. Attends. Peut-être qu'en faisant comme ceci. Allez. Non mais, dude, faut que tu grimpes là-dessus, attends. Salut Peter, je voulais juste te dire que je suis pas sorti de chez moi. Ravi de l'entendre. Ah, comme ça, ça passe mieux. J'ai écouté la radio de la police. Il se passe des trucs sans arrêt dans toute la ville. C'est dingue. Ouais, impressionnant, hein. Comment tu fais? Je veux dire, tu peux pas être partout à la fois. Souviens-toi de ce que disait May. Sauver une personne, c'est sauver le monde. Ouais. C'est pas faux. Mais j'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Ok. Tu te souviens de la dame qui est venue au Fist avec ses deux enfants l'autre jour? Celle qui venait d'être expulsée? Ouais. Quand elle a retrouvé un boulot, juste avant d'emménager dans son nouvel appartement, elle m'a dit « Dès que je recevrai mon premier salaire, je donnerai ce que je pourrai à ce refuge. » On l'a aidée et maintenant elle veut aider les autres. C'est comme un multiplicateur de force. C'est ça. May était vraiment incroyable. C'était la meilleure. Je t'enverrai une adresse dès que j'aurai réglé tout ça. Alors tiens-toi prêt. Et pense à emporter ses lance-toiles. Enfin. Mais bon, nous avons trouvé... Je rappelle quelque chose. Un enregistrement. Je crois que c'est ici qu'un informateur de la Magia a disparu, il y a quelques mois. Je ne me sens pas très à l'aise. Nous devrions sans doute arrêter la séance. Désolé, Doc. Je voulais pas vous faire peur. Je suis juste un peu parano en ce moment. Je vous l'ai dit, boulot stressant. D'accord. Parlez-moi de votre travail. Décrivez-moi une journée type. Une journée type? Le matin, je me lève. Je regarde mes messages pour voir de qui je dois m'occuper. Je vais me chercher à bouffer. J'essaie le régime keto, vous connaissez? Ensuite, je fais le job. Des fois, ça gicle un peu, alors je rentre me changer. L'après-midi, je sais faire sport, et puis je rentre manger. Pardon, je vous interromps. Quand vous dites « de qui je dois m'occuper », qu'est-ce que ça signifie? Qui le boss me demande de buter. Je suis pas mauvais, d'ailleurs. Je me suis fait une petite réputation. J'ai l'impression que c'est un assassin de la Magia. J'ai l'impression que c'est qu'un morceau de l'histoire. Je devrais essayer de trouver d'autres scènes comme celle-là. Ok, alors comment on va gérer ça? À la limite, j'ai envie de dire, le truc le plus proche, c'est la mission avec David. Je propose qu'on aille sauver ce cher monsieur. Et après, on ira s'occuper des enregistrements. Et je pense qu'à mon avis, les enregistrements débloqueront la... ce qui pour moi sera la dernière mission annexe. Genre, retrouver le mec qui a fait ça, ou le doc, et je sais pas trop quoi. Et comme ça, après, on aura de quoi conclure le DLC. Et du coup, non seulement conclure le DLC, mais aussi, le let's play. Parce que vu que c'est le dernier DLC, après ça, on n'a plus rien à faire. David est en mauvaise posture. À moi de jouer. Bon, là, je crois que je vais y aller.
je vais pas y aller dans la subtilité, cessez. Non, dude. Eh, les dudes, j'ai des coups de grâce pour vous. Y'en a d'autres? Oh, joli. Eh, monsieur Damered, vous êtes vraiment des pimpons. Hein. Hop, un coup de grâce pour toi. Et un coup de grâce pour toi parce que je t'aime. Sinon, je donne toujours les coups. Eh, rappelez-vous, qui aime bien, châtie bien. Hop, vous avez pas le droit d'avoir cette tourelle, les mecs. Allez. Oh, salopard, j'avais un combo à plus de 40. T'aurais pu me laisser au moins atteindre 50, espèce de dude. Ok. Hey. Ok. Ah, en plus y a un Jean-Michel sulfateuse. Joie, bonheur, félicité. Poire à lavement. Eh, mais attends, j'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait leur balancer ça, dis donc. Hop, parfait. Non, attends. Toi, tu vas te prendre une petite toile de choc des familles? Ah ouais, ma grosse, qu'est-ce que t'en dis? Voilà, t'aimes pas quand je suis en l'air? Bah, je t'amène sur mon terrain, dude. Eh, monsieur, ces mobs à bouliner. Voilà, là, je crois que c'était le dernier. Ça va, l'ami? Ah, j'ai même pas fait gaffe si on avait débloqué une nouvelle tenue. Je crois. Je peux remercier cette armure de sable. Bon, alors, et maintenant? Je vais livrer les caisses à l'ambassade. Grâce à vous, le peuple de Simkari recevra enfin l'aide nécessaire. Mais c'est bien normal. Je me demandais ce que vous alliez faire, vous. Eh bien, je viens de recevoir l'appel d'une école de Midtown. Il me propose un visa si j'accepte un poste de professeur. Vous n'auriez pas quelque chose à voir là-dedans, des fois? Les bonnes actions attirent les bonnes surprises. Je ne vous remercierai jamais assez. À chaque instant, j'essaierai d'aider mes élèves à réaliser leurs rêves, comme vous m'avez aidé à réaliser le mien. À vrai dire, ce serait plutôt à moi de vous remercier. De quoi? De m'avoir rappelé pourquoi j'aimerais toujours cette ville. Oh. Il a même pas mis sa ceinture. Je pense pouvoir dire mission accomplie. C'est moi ou le monde paraît soudainement meilleur? Et du même, terminé. Pleinement de ce sentiment. Les affres de la guerre. Terminé la mission Edumène, 4,1% des joueurs l'ont eu. Dans quelques secondes, avant la prochaine catastrophe, je suis sûr que David sera le genre. Je suis prêt. Ah bah tiens. Retrouvez-moi à ma base. Je voulais vous demander, comment vous pouvez avoir une base dans cette ville sans que je sois au courant? Toujours aussi sympa. Pourquoi? Vous voyez ça, ce qui se passe avec Sable, ce sont les appels stéréotypes, clichés des films. Les films d'action, tout ça, c'est genre, déjà vous voyez qu'il décroche au bout d'une sonnerie, même d'une demi-sonnerie. En plus de ça, ils disent jamais au revoir ou quoi que ce soit. Enfin, regardez, quand vous regardez genre un film américain, écoutez les conversations téléphoniques quand il y en a. Vous allez voir que c'est pas du tout comme les conversations que vous auriez en temps normal sur votre téléphone, par exemple. C'est qu'elle me déteste. Ok. Ouais, la logique est souvent cruelle. Alors, c'est censé être quelque part par ici. Ah. Non? C'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. Il faut trouver la scène de crime. Bon, de toute façon, on a toute la... On peut patrouiller la zone comme ça. Votre attention, ah, attends. La vérité. J'ai quitté la zone. Ah, j'ai quitté la zone, dis donc. Voilà
voilà des années que je vous exhorte à me faire parvenir des preuves photographiques attestant une bonne fois pour toutes des liens de connivence entre Spider-Man et les criminels qui gangrènent la ville. Enfin, ah, là-haut peut-être. Ah, oui, je vois le... Anonyme, me les envoie. Je vois ça, ouais. Nous voici donc en possession de photos où l'on aperçoit clairement Spider-Man rôdant autour de stocks d'aide humanitaire. Là-bas. De l'aide destinée à la Simcari. Et notre leader héroïque... Je peux pas fermer ta gueule, Jameson. ...sont vendus sur le marché noir. Ma longue carrière de... Voilà, il est ici. ...m'a appris une chose. Les non. ne mentent jamais. Écoutons. Tais-toi. Alors, bien, je vous Eh bien, d'un point de vue clinique, vous êtes un sociopathe. Est-ce que je peux déjà marquer? Non, je peux pas marquer sur. Vous n'avez aucun remords, vous n'êtes clairement pas stressé. Et je doute que vous pensiez avoir un problème. Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir aujourd'hui? Vous êtes futé, hein? Ok, on va jouer franc jeu. Si vous faites sagement ce que je vous dis, j'irai pas tuer votre famille. Wow. Vous voulez jouer franc jeu? Très bien. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je vous ai reconnu à l'instant où vous avez franchi cette porte. Et je peux vous dire qu'avant que je fasse quoi que ce soit pour vous, vous allez faire quelque chose pour moi. Ça, je m'y attendais pas. Ces scènes de crime ressemblent à des exécutions déguisées de la Magia. Et si l'homme qu'on entend sur les enregistrements en fait bien partie, c'est peut-être lui qui a tué tous ces gens. 3 sur 9. Ok, quartier des affaires DLC terminé. Allez, on va terminer Chinatown. Prochain enregistrement, c'est par ici. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Où allons-nous? Chercher des enregistrements. Non, ça va tellement pas, en fait. Juste... Ok. Bon, moi, ça va. Comme en plus, on est dans une zone relativement restreinte de la ville. Bon, on n'a pas non plus des masses de trucs à trouver, quoi. Ok. Oh. La zone n'est pas bien grande. C'est vraiment sur ce bâtiment. Voyons voir. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Il est... Et l'équipement de la police sur chaque scène. Là. Doit y avoir accès. Juste ici. Quelqu'un a fait une chute mortelle d'ici. La police a conclu un accident, mais... Ils auraient pu se tromper? Sur le dernier enregistrement, le psy avait pris le dessus sur l'homme de la Magia. Content de vous revoir. Asseyez-vous. Avez-vous ce que... Là. J'espère que ça résout votre problème de liquidité. Parfait. Cela devrait aller. Merci. Bien, je suppose que vous êtes ici parce que j'ai un certain nombre de patients officiers de police. Vous supposez bien. Mais mon boss et moi, on s'intéresse à quelqu'un en particulier. Et... Qui donc, je vous prie? Le capitaine Yuri Watanabe. Yuri? Oh oh. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? J'ai un peu peur d'entendre la suite. Mais je peux pas m'arrêter là. Ah, ça prend une tournure intéressante, là, s'il y a l'ami Yuri. Bon, bah on va aller chercher le suivant. Ça va nous en faire 5 sur 9. Après, il faudrait que je regarde dans quelle direction... Et le suivant, que je puisse déjà commencer à faire une partie du chemin pendant qu'on l'écoute. Bah surtout que ça réduirait les temps morts entre justement le passage d'un enregistrement à l'autre. Ok, donc quelque part par ici. Ça doit pas être loin d'ici. Encore un paquet okay, pour moi. Ok, c'est... Là-haut. Oula. Attends, j'aperçois un truc. Non? Je pensais apercevoir un truc. Alors attends. C'est le périmètre est ici. Le périmètre est ici. Où est l'enregistrement? Verise the... Oh d'accord, ça descend un peu plus bas. Ah, attends, ah, le v'là, je l'ai trouvé. Vous avez vu la silhouette ici? D'après la police, c'était un suicide. Mais Yuri était sceptique. La victime était un membre du gang d'Hammerhead. La dernière fois, il parlait d'obtenir le dossier médical de Yuri. Voilà le dossier du capitaine Watanabe. C'est tout ce que vous avez? Oui. Vous enregistrez pas ces séances?
Non, je n'enregistre aucune séance. Ce serait illégal et contraire à l'éthique. Eh ben, va falloir enregistrer la prochaine fois. Et mon boss voudrait que vous lui posiez certaines questions. Ça vous pose un problème ? Non, aucun problème. Je suis pas sûr que ce soit bien d'écouter ça. Mais il faut que je sache. J'ai l'impression que celui qui a fait ça n'était vraiment pas satisfait du travail de la police. 5 sur 9. Allez, et ben ouais, bon bah je voulais faire cela, mais on va faire celui, on va faire ce du mid-town, ça marche aussi. Allez, numéro 6. On pensait qu'il faudra partir vers l'ouest. Parce que j'en ai vu sur la carte. Et je pense que ça va nous débloquer une mission secondaire où on peut... on pourra faire quelque chose avec cette personne. Ou peut-être retrouver Yuri, qui sait. Enfin, quand que Yuri était mise à pied, je suis pas sûr qu'on la voit dans ce DLC. Enfin, remarque, ça dit, par rapport à Yuri, j'en avais appris une bonne que je savais pas trop. Bon, en même temps, comme je vous disais, je connais pas trop l'univers de Spider-Man, mais apparemment, elle aurait une identité de... Je sais pas si c'est super-héros, super-vilaine. Spectre, ça vous dit peut-être quelque chose. Apparemment, ça peut être elle. Alors... Je suis bien au bon endroit, hein. Oui, je suis au bon endroit. Peut-être plus bas. Pardon, excusez-moi. Attends. J'espère que celui aussi. Ah oui. Ça a une bonne raison. C'est. Je me mets là. Oh bah je suis juste dessus. Yuri m'a dit qu'ils avaient conclu à une mort accidentelle. Intoxication alimentaire. Par là. Apparemment, tous ces rapports sont datés de ces années. Mais le mois dernier, on dirait que Yuri s'est laissé tous assigner. Ce serait Yuri qui m'a laissé tous ces enregistrements. Très bien, Yuri. Poursuivons. Vous sentez-vous toujours obsédé par ce suspect ? Oui. Parfois, j'ai l'impression que je suis à deux doigts de l'avoir. Et parfois, je suis prête à baisser les bras. Vous faites vos exercices de respiration ? Quand j'y pense. Mais... Je sais qui c'est. Où il se cache. Et ce qu'il a fait. Mais je peux rien faire. Pas sans preuve recevable devant un tribunal. Voilà qui doit être frustrant. Vous n'imaginez pas. On dirait que Yuri suspecte l'homme sur les enregistrements d'avoir tué toutes ces personnes. Et elle a sans doute raison. 6 sur 9. Ah bah ça va, je suis pas très loin du prochain. Bon alors après... Eh, on a 90%, ouais. Je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment tout ce qui est truc secondaire avant d'aller retrouver Silver. Ça me paraît relativement legit. Allez. Bah ça va, eh, on n'est pas très loin, on n'est pas très... Ah oui, il faut juste aller au sommet du bâtiment, tout va bien. Allez. On y va. Ok, donc c'est quelque part par ici. Ah, ce serait pas là-haut par hasard ? Pile poil. Une victime d'électrocution accidentelle, qui avait des liens avec Amorel. Malgré ses efforts... Yuri n'a pas pu prouver que c'était un meurtre. La dernière fois, Yuri avait l'air frustré. Vous n'imaginez pas. C'est tout ? Oui. Enfin, nous avons aussi parlé de son traitement, mais... Sa prochaine séance, c'est quand ? Pourquoi ? Que comptez-vous faire ? Je ferai ce que mon boss me dira de faire. Oh non. Il prévoit d'assassiner Yuri ? Faut que j'aille aux autres emplacements. Oh putain. Allez, 7 sur 9. Par rapport à le suivant. Oh, bah c'est. Eh, c'est parfait! Ça fait ça, ça. Bon, après, il y aura peut-être la mission qui va se déclencher. La mission, ouais, elle devrait se déclencher là. Ok, dans le mid-town. Ça aurait été tellement bien qu'on fasse ça. Tac, tac. Mais le problème étant que, vu la progression du DLC, il y a des chances que la mission qu'on a là soit la dernière. La mission principale que le jeu nous propose soit la dernière. Donc, c'est pour ça que je vais m'occuper de tous les trucs secondaires. Avant d'oublier. Puis surtout comme ça, bah ça satisfera les critères que j'avais mis, hein, let's play 100%. Et non seulement on aura fait 100% sur le jeu principal, mais sur les 3 DLC aussi, et bim! Je crois que je me rapproche. Ah. Je l'ai vu là. C'est forcément Yuri qui dépose tout ça. Oh, ouais, là. Ça... Non, c'est pas ça. Alors attends, il faudrait peut-être que je grimpe là au-dessus.
vu. Est-ce que je peux le voir d'ici? Observons. Par là. Il y a tous les trucs de Pardon, de... D'habitude, oui, je suis plus haut. Attends, je croyais que cette flic... Bon. Donc il est cet enregistrement de scène de crime, bonjour messieurs dames. Il est peut-être en dessous. Je suis votre fan, les amis. Attends, il serait pas sur... La caméra peut coopérer s'il vous plaît. Attends, il serait pas sur la... Ouais, je crois qu'il est là. Ok, faut que j'ai le réflexe d'appuyer sur triangle. Ok, Attends, je peux tester un truc. Ok, alors, Attends, je crois que je peux faire ça aussi. Non, ça marche. Attends, ah. L2 R2 sauver un mur. Eh oh. Eh ben. Bah, c'est ce que je fais. Eh oh. Pourquoi tu réagis pas? Voilà. Non, parce que le machin, je l'ai repéré depuis à peu près 40 secondes, donc voilà. Je crois qu'une personne a été renversée ici. La victime était censée témoigner contre un homme d'Amorel. Bien sûr, la police n'a jamais retrouvé le coupable. Ces évidemment. Sont de plus en plus récentes. Et celle-ci date d'il y a quelques semaines. Vous avez l'air nerveux. Bien. Si le chef apprend que je travaille sous couverture pour vous, je risque de perdre mon boulot. C'est peut-être moi qui devrais faire des exercices de respiration. Ça, c'est intéressant. Vous en faites pas. Il en saura rien. Et puis, vous vous en sortez bien. Vous êtes très crédible, hein, docteur. Ah oui? Merci. Vous pensez qu'il a vu que vous portiez un micro? Si c'est le cas, il fait bien semblant. Il est de la magia. Mentir, ça fait partie de son job. Mais la question, c'est est-ce qu'il sait qu'on lui ment? On saura ça demain, je suppose. Vous êtes sûr de vous? Si on le coince pour tentative de meurtre sur un officier de police, il prendra perpète. Yori, qu'est-ce que vous faites? Il faut que je la retrouve. Welp, ah bah ça va, on s'est mis pas très loin du dernier. Allez, et bah le dernier, et oh bah ça va, il est juste en dessous là. Je dois pas être loin de la dernière scène de crime. Une petite interview pour mon père. Ok, alors... Oh, wow, Spider-Man. Yori, Verise. Où est le dossier? Verise le dossier. Attends. Il serait pas sur un des murs là par hasard? Comme ça? Regarde. Ah, il est de l'autre côté. Il est juste là. Yori m'avait parlé d'une noyade ici. Ça lui avait paru suspect parce que la victime était un acteur de haut niveau. Ah, c'est ce qu'on dit, c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Plus que jamais. Le micro est en place, je me dirige vers mon bureau. Prends juste un café sur la route. Ok, quand ce sera terminé, je vous offre un verre. Avec plaisir, capitaine. Même suspendu, Yori refuse de baisser les bras. Ça force le respect. Bonjour, un grand café s'il vous plaît. Eh, salut Doc. À qui vous parliez là? Oh, bonjour. Wouah! Pourquoi j'ai écouté ça? Nouvelle mission annexe débloquée. Alors, on a tous les enregistrements. D'un numéro inconnu. On est à 93%. Hey, comment on se retrouve? Yori? Retrouvez-moi à l'angle de Madison et de la 23ème. Il faut qu'on parle. Yori! Attendez! Oh bah attends, on va aller la retrouver! J'ose à peine imaginer cette détresse. Ah ça, je suis pas très loin. Alors pourquoi me faire faire une visibilité macabre de ces scènes de crime? Il doit avoir une piste pour coincer l'assassin. Ce serait sympa. J'espère pour elle. Je pourrais peut-être l'aider à changer les idées. Hein? Quoi? Tout à fait, cher canard. Yori, qu'est-ce que vous avez fait?
C'est l'assassin de la Magia. Enfin, c'était. Et là, les dossiers de toutes ses victimes. D'accord, il a tué de nombreuses personnes. Mais ça veut pas dire qu'il méritait de mourir. Pas faux. Yuri. Je sais ce que vous pensez, mais laissez-moi vous expliquer. Le système fonctionne la plupart du temps. Mais hélas, pas toujours. Et pour moi, c'est inacceptable. Certaines personnes s'en remettent au destin, au karma ou à toute autre chose. Moi, je ne peux compter que sur moi-même. Ça ne vous donne pas le droit de tuer. Pourtant, je l'ai fait. Et je vais vous dire, ça fait du bien. Vous allez devoir vous rendre. Pourquoi ? J'ai rendu la justice. La vraie justice. J'ai contribué à l'équilibre du monde. Yuri, vous êtes mon ami. Ne m'obligez pas à vous arrêter. Vous avez votre mission. Et moi, j'ai la mienne. Adieu, Spider-Man. Yuri ! Qu'est-ce que je dois faire ? Je comprends mieux ce qui s'est passé avec Hammerhead. Ouais. Ça fait un moment que Yuri a ça sur la conscience. Elle ne montre jamais ce qu'elle ressent. Ça doit être dur de tout garder pour soi. Mais c'est aussi la personne la plus tenace et déterminée que je connaisse. C'était un sale type, y a pas de doute. Mais de là à le tuer... Balance de la justice terminée. Inacceptable. Je pense terminer cette mission. Enfin, la mission balance de la justice, ouais. Et du coup, je suppose que la mission... Ça, c'est terminer la mission, 1 plus 1 égale victoire, et ça, c'est avoir le trophée. Bon, on a une nouvelle tenue. On va la mettre. Donc, la tenue... Spider-Man New Generation. Donc ça, ça doit être la tenue du film d'animation qui est sorti plus il y a quelques mois. Et du coup, il restera cette dernière tenue qu'on mettra une fois qu'on aura terminé le DLC. Comme ça, on aura mis au moins... une tenue, on avait vraiment mis chaque tenue au moins une fois. Je suis en train de me dire... je vais prendre ça, le boost de santé à la place, parce que je risque d'en avoir besoin. Je dis, regardez, on est à 94%, on a fait tous les trucs secondaires. Maintenant, je pense qu'il ne reste plus qu'à aller conclure ce DLC, et donc ce let's play avec l'ultime mission. Parce que ça semblerait logique... que ce soit l'ultime mission, 1 plus 1 égale victoire. Ah là là. C'est bizarre de se dire que ça touche tout doucement à sa fin. Le let's play en tout cas. Mais enfin bon, ça veut dire qu'après on va commencer une licence qui a l'air de pas mal défourier du pimpon. Et des pimpons, croyez-moi, on va en défourier dans cette licence. Hein. Ah bon, plus de détails pendant le ou après le générique. On sait maintenant qu'on peut passer le générique. Je pense que j'ai pas... Quoique je pourrais utiliser le générique pour donner mon avis sur la chose, tout ça, ce serait pas une mauvaise idée. Alors ça par contre c'était un peu une idée à la... Alors moi je peux gagner un peu de distance en faisant ça. Punaise. Non. Il n'y a vraiment rien que je... Attends. Ah ! Ça marche aussi. Ok, allez Silver, en avant. On va en finir avec ce pimpon d'Hammerhead. Mettons-nous au travail. Alors, le temps qu'ils y arrivent, moi je vous dis à votre sang. Vos jouets sont beaucoup plus cool que les miens. C'est vraiment un grand gamin, Peter, quand même. Bah, il a raison, faut garder un peu son âme d'enfant. Mais ouais. Il a raison. Parce que bon, s'il fallait agir en étant tout le temps sérieux, à partir du moment où tu deviens adulte, tu te fais rapidement chier. Hein. Ah, parce que je veux dire, si c'est le cas, ça fait 12 ans que j'aurais lâché, plus de 12 ans que j'aurais lâché les jeux vidéo. Mais maintenant qu'on le voit, Hammerhead va plus tarder à débarquer. J'espère bien. Ne perdons pas de temps.
Je me suis procuré un canon laser de classe 5. Faut le calibrer pour éviter qu'il n'entre en surchauffe. Une chance pour vous, je suis justement expert en calibrage. C'est parti! Eh ben, en avant! Par quoi on commence? Mettez le module du laser en place! Tout de suite! Oh, ce laser de fou! Dispositif fixé. Et voilà le travail. Ce n'est pas terminé. Ah. Il faut réinitialiser les bornes du champ de visée. Pas de problème. Je sais pas du tout de quoi on parle. Sortez du hangar. Grimpez au sommet des émetteurs à proximité. No problemo. Il faudrait qu'on parle de notre stratégie pour Hammerhead, non? Il n'y a rien à dire. Ok, les longueurs tombent. On braque le laser sur la plaque qu'il a dans le crâne. On fait chauffer l'acier au carbone jusqu'à ce que sa structure moléculaire se déforme. Et on la ramollit pour que je puisse l'assommer. Ben juste là, ça va. Mais vous êtes sûr qu'on va pas lui faire frire le cerveau? Non? Quand le loup attaque l'agneau, il risque d'être tué par le berger. Tout à fait. Puis-je rappeler au berger qu'on s'est mis d'accord? Est-ce que le berger s'appelle Michel? Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Le système semble fonctionnel. Il faut maintenant tester la visée et le niveau de puissance. Cool. Vous allez pas me tirer dessus, au moins? Pas cette fois. Mais il va falloir que vous lanciez ces cibles. D'accord. Ok. Prête? Prête. Largue les bombes! La ville! Oh, nice! Encore quelques-unes. Pas de problème! Nice! Encore. Joli tir! Et c'est la classe! Hey, c'est la variante militaire du Batrap! Oh, on peut en faire encore une, s'il vous plaît! Vous êtes un vrai gamin. Ouais, bon, les enfants au fond de nous. Wow! Entrez, il nous reste une chose à faire. Ok, j'arrive. Il faut ajuster, ajuster le stabilisateur de vol gyroscopique pour compenser le poids du laser. Accédez à ce terminal et attendez que j'active le système. Et bah, accédons à ce terminal et attendons qu'elle active le système. J'y vais. Ok, ça devrait le faire. Salut ma grosse! Vous faites équipe maintenant? Trop bien. Mais ça ne changera rien. Table? J'aurais besoin d'un coup de... Et voilà! Vous pouvez le réparer? Ok! Continuez à distraire Hammerhead! Non, monsieur Hammerhead, j'ai dit non. Okay. Tu aimes l'étoile? Mais pas de propre, Doud. Évoluer. Oh, table, vous en êtes où? Le laser est en tour. Allez, faites-y la gueule. Oh, il a l'air de pas apprécier. Bah ouais. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Non mais, évidemment, je veux que tu retires une arme en visant au hasard un des péons. Non. Oula, attends. Oui, bon, évidemment. Ouais bah, hey, tu m'excuseras, je fais ce que je peux, il me balance 10 mecs sur la gueule, j'essaie de me débarrasser des 10 mecs d'abord. C'est pas logique? Allez-y, les gars! Ok, bon, on a eu un checkpoint à la on a eu un checkpoint après le premier coup de laser. Ça, c'est... Et voilà! Non, mais... Chut! Mais... Tu crois que tu me fais mal? Je ne sens plus aucune douleur. Ah! Fini de rire! Bienvenue en spectacle aérien! Allez! Ok! On passe au laser! Allez! Sable, à toi de jouer! Je demande combien de fois il va falloir faire ça. Allez! C'est un combat que t'as perdu d'avance! Deux fois, pas mal. Oh, il est pas fini, Hammerhead! Allez, tu dois tenir encore au moins une phase! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais ce que je respecte?
ceux qui savent s'avouer vaincus. Oh, il s'est popé du blindage. Ok, nouvelle phase avec le blindage, ça va être fun. Continue à tirer. La prochaine fois, on l'aura. Ok, donc maintenant il a du blindage, t'enfoiré. Lancez les bombes de sable sur Hammerhead pour désactiver son bouclier. Ah. Hey, prends ça. Dévoué, King, mais t'es pas taille contre moi. Oh. Ouvre les yeux, tu peux pas me tuer. Mais je veux pas te tuer. Non mais... Allez, ça, Silver, à toi de jouer. Faites-y la gueule. Oh mais j'y compte bien. Je suis un des... Wow, 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 wow. Allez. J'adore ton matrice. Dommage que je dois m'en servir pour t'éliminer. Non mais, la cible prioritaire c'est Hammerhead, les autres ils n'existent pas. Hammerhead, pas les pimpons. Monsieur le jeu, tu fais n'importe nawak. Non. Mais c'est ce que je suis en train de faire, monsieur le jeu, dis pas nawak. Wow. Fuck. J'aimerais savoir quand était le dernier checkpoint. Tiens, est-ce que c'était au début des bombardements ou... Enfin, au début de la phase bombardement ou... Je vais vous donner la chance. Rejoignez-moi. Non. Je choisis la porte numéro 3. Frappez-le. Crève l'araignée. Faut pas qu'il me touche. Ok, c'est la dernière phrase qu'il a dit, là. Je choisis la porte numéro 3. Ok. Non mais... Faut taper celui qui fait 3 mètres de haut. Tape celui qui fait 3 mètres de haut. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Franchement, c'est pas comme si j'étais en train de focus sur le mec qui fait deux tailles de plus que les autres. Je sais pas, hein. Rejoignez-moi. Non, ta gueule, Hammerhead. Bon. Mais... Mais what? C'est quoi ce gangbang? Mais... Pourquoi mes points de vie sont descendus en 12 secondes, 4, à peu près? C'est pas mauvais. Je vais vous donner la chance. Rejoignez-moi. Ouais. Je choisis la porte numéro 3. Je dois attraper ton bouclier. Mais où? J'ai l'impression... Oui, mais... Dommage que je dois m'en servir pour t'éliminer. Crève l'araignée. Non. Allez, non. Oui. Allez. Vas-y, sable. Pète-y la gueule. Là, je peux le faire vraiment mal. Celle-là, c'est pour Yori. Ah, ça, on peut dire que de la tête dure. C'est peu de le dire. On va essayer un truc. Le bouclier est trop puissant. Je dois d'abord le neutraliser. Cadeau. Oh yes. Non. Nice, on l'a esquivé. Allez. Oui. Allez, vas-y. Vas-y, Silver, pète-y la gueule. Non, allez. Le laser est à sec. Attendez. Tenez-le. Soyez prêts à sauter. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, carrément. C'est radical, je trouve. C'est un peu radical, Madame Silver Sable. Mais non. Voilà, il est en train de dérailler. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est fini? Moi, je le sens bien. Hein.
Je le sens bien que c'est fini. Bon, c'était fun. Dites, vous êtes prise ce soir? Je connais une bonne pizzeria. Je dois rentrer en Simkari. Bien sûr, vous avez un combat à mener. Je n'aime pas me battre. Je le fais uniquement pour aider mon peuple. Je sais. C'est ce que font tous les héros. Il y a un F à tout pointer à la fin. Mais vous m'avez appris des choses. Ah ouais? Comme quoi? Déstabiliser l'ennemi avec des blagues nulles? Alors, non, mes blagues sont hilarantes. Mais l'humour, c'est subjectif. Merci, Spider-Man. Merci pour tout. Même pas en rêve. Ouais, non. dites, vous voulez bien me déposer en ville? Non, je sais nager, hein, mais mon costume va sentir le poisson pendant des mois, alors... Ah, on le changera jamais, ce Peter, hein. On le changera jamais, ce Spider-Man. Et est-ce que ce serait pas fini, dites-moi? Avons-nous un générique? Évidemment. À la mémoire de Stan Lee, qui forcé en plus de ça était décédé fin 2018, entre la sortie du deuxième et du troisième DLC, donc forcément. Voilà, à la mémoire de Stan Lee qui nous a tous inspirés à repousser nos limites. Puisse-t-il reposer en paix. Un grand monsieur, une légende. Bon, bah du coup les gens, c'est officiel, nous venons d'arriver non seulement au terme du troisième DLC, mais aussi de cette série dédié à Marvel Spider-Man sur PS4. Ah, c'est, comme j'ai dit, ça me rend toujours tout chose d'arriver à la fin d'un let's play, parce que je me dis, bah, c'est quand même une petite période qui se termine, mine de rien. Je veux dire, en plus, 43 épisodes, c'est assez rare qu'on ait des séries comme ça maintenant, depuis qu'on est passé à faire un peu ce qu'on veut. Mais franchement, alors déjà, je vais vous donner mon avis sur ce DLC. Moi, j'ai trouvé qu'il était... J'ai pas le mot qui me vient, mais en tout cas, il était intense. Je pense que c'est le mot qui convient, intense. Parce que les DLC part à 300 à l'heure, et il descend pas en dessous. Il monte un peu, des fois il redescend, mais il reste toujours à un niveau relativement effréné. Vous avez vu tout ce qui s'est passé pendant l'émission du DLC. C'était complètement oufissime, il y avait de la baston de partout, il y avait, ça partait dans tous les sens, les repères Olympus qui est absolument brutaux. Je pense pouvoir dire que le truc le plus calme que j'ai fait, c'était les enregistrements suivis des défis de Screwball. Dire que les défis de Screwball étaient calmes, c'est là que tu vois l'intensité du machin. Après, pour l'histoire de l'extension en elle-même, la ville qui ne dort jamais, je me demande si ça valait le coup de faire ça en 3 DLC, pour être honnête. Parce que je vais dire, si vous regardez bien, le casse, c'est vraiment l'introduction de l'histoire. C'est ça met vraiment, c'est ça part d'un petit truc gentil, et puis à la fin, ça te met Hammerhead. Ça t'introduit Hammerhead. Et après, t'as plus que le focus sur lui. Donc finalement, est-ce que ça n'aurait pas mieux valu qu'on ait peut-être que 2 extensions, ou que genre les 2 premiers étaient regroupés en un? Je sais pas trop. Mais c'était un complément à l'histoire relativement sympathique. Disons que si je devais donner des notes individuelles à chacun des DLC, j'avais déjà donné, je crois, 14 sur 20 pour le casse. Pour la guerre des gangs, je mettrais... En fait, je pense que le DLC, le Season Pass, la ville qui ne dort jamais, mérite 14 sur 20. Je pense que c'est relativement... C'est plutôt ça. Je veux dire, vous en avez pour votre argent, comptez à peu près 5 heures par DLC si vous voulez le faire à fond. Sans compter, bon, évidemment vous avez vu que tout n'a pas été fait pendant les vidéos parce que justement il y a eu les crimes à faire, tout ça. Bon, ça j'avais pas envie de vous gonfler à faire des allers-retours juste pour des crimes. Mais il y a toujours de quoi faire, il n'y a pas de problème de temps mort en plus dans le troisième, comme je le disais. Le seul qui pour moi a un problème avec le rythme, c'est le premier. Mais c'est peut-être parce que je me suis mal organisé, c'est possible. Mais voilà, en tout cas toujours est-il que moi j'ai vraiment passé un super moment sur ce jeu. Hier, je l'avais vu dans un let's play, ça m'avait fait envie, c'est même ça qui m'avait donné envie d'acheter la console, pour vous dire. Et franchement, je regrette pas du tout mon achat maintenant qu'on est arrivé au terme de cette aventure. Mais, vous êtes probablement en train de vous dire, maintenant que t'as fini Spider-Man,
qu'est-ce que tu vas nous faire? Bah, si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait en début d'année où je vous expliquais mes projets pour 2019, on va maintenant se lancer dans une petite binge, comme disait. Alors non, on va pas se lancer dans une pomme de terre, binge, hein, là, enfin le jeu de mots de merde, mais on va enchaîner les trois premiers opus d'une licence, encore une fois, une licence exclusive à la PlayStation, et j'y viens les trois premiers pour éviter les confusions. À partir de lundi, donc lundi qui vient évidemment, je ne sais pas trop quel jour on sera au moment où c'est diffusé, mais toujours est-il que vous prenez, vous regardez la semaine, vous prenez le lundi suivant, c'est le début de la nouvelle série, et cette nouvelle série sera God of War 1. Et je précise God of War 1 parce qu'il y a aussi le God of War 2008 qui s'appelle juste God of War, non c'est pas celui-là qu'on va faire, on va faire God of War 1, et une fois God of War 1 ça termine, on fait God of War 2, une fois God of War 2 ça termine, on fait God of War 3, sauf si... Bien sûr, on a un peu trop de temps à faire un des God of War et pour quelqu'un, on pourra peut-être enchaîner sur les trucs d'été. Mais pour l'instant, on est sur God of War 1. Ça commence lundi. Et voilà le travail. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Bon, on va regarder s'il y a une petite scène post-crédit. On devrait débloquer une série, une tenue et des trophées. Il va falloir qu'on mette tout ça. Et puis après, il sera temps de faire les salutations d'usage. Allez, on passe au générique. Voilà. Alors, quelle est cette scène post-générique? Voyons ça. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Bref. Oh, Miles, Spider Miles! J'ai l'impression que les lance-toiles sont un peu serrées. Tu vas t'y faire. Allez, essaie de suivre. Allez, Miles, tu peux le faire. Miles, Miles. Allez, tu peux le faire, grand. Tu peux le faire, l'ami. Mais t'inquiète, dude. Tu peux le faire. Et voilà le travail. 1 plus 1 égale victoire. Terminé. On a le trophée fin de partie. Donc vous terminez la mission 1 plus 1 égale victoire. Et il restera plus qu'à avoir le trophée La ville qui dort parfois. Bravo. Vous avez terminé le scénario Le retour de Silver. Ainsi s'achève la saga La ville qui ne dort jamais. Bien joué, héros. Bon. On a tué Cyborg Spider-Man. Mais ces hommes courent toujours. Eh oui, pas de repos pour les araignées. Et là, normalement, on doit avoir le dernier trophée qui va popper. Voilà. La ville qui dort parfois. Voilà, là c'est fait. Et si vous regardez... J'aurais juste voulu revenir sur les trophées. Alors, si je redescends sur les trophées... Alors, si vous regardez, à l'exception des deux trophées du New Game Plus... Tout le jeu a été fait à 100% au niveau des trophées. Et juste la dernière chose que je voudrais qu'on voit, puisqu'on a débloqué une nouvelle tenue. On a débloqué donc la tenue Cyborg Spider-Man. Voilà, on va la porter. Et du coup, même les tenues sont à 100% et on a porté officiellement chaque tenue au moins une fois. Sauf erreur de ma part. Bien. Allez, vous savez quoi? Pour boucler la boucle, on va juste vérifier, voilà. Tous les scénarios sont faits à 100%. On va juste revenir sur l'histoire principale. Après tout, pourquoi pas. Mais là, nous n'avons officiellement plus rien à faire dans ce jeu. Or, techniquement, je pourrais repasser dans les défis, faire le gold, ou avoir les objectifs secondaires dans tout ce qui est... Dans tout ce qui est défi, mais honnêtement... Voilà, honnêtement, je m'en tamponne complètement là, tout ça. Et techniquement, je pourrais aussi faire les jalons, mais... Voilà, quoi. Ça serait les jalons, on pourrait regarder ce que j'ai eu pour finir, et... Une fois que ce sera fait, je vous laisserai là. Alors, voyons ça. Au niveau des jalons, qu'est-ce que ça donne? Ok, bon, on voit l'héroïque qui nous manquait encore 1144 lancements. Donc on a eu la course, 50 000 mètres de course murale, on a eu ça, traceur, bagarreur. On n'était pas loin d'avoir les combos de 30 coups, quasiment les combos de 50 aussi. Bon, après, il y a la plupart des trucs où il fallait... on a quelques-uns, on n'avait pas fait grand-chose. Je veux dire, ça va, on a quoi? Attends, il y a combien de jalons en tout? 4, 8, 16, 24, 27. On en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur 27, c'est pas mal. Bien, bah écoutez les gens, c'est là-dessus que nous allons refermer le chapitre Spider-Man sur la chaîne. Je commençais par vous remercier d'avoir regardé ce 43e épisode, j'espère que ça vous a plu.
Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces. En bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir, c'est pas non plus à laisser un commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ou à parler à la chaîne autour de vous si vous en avez tout ça, vous le savez. Tout ce que je dis, bien sûr, s'applique également à n'importe lequel autre des 42 épisodes précédents, vous le savez. Merci à vous d'avoir suivi Spider-Man, ne serait-ce que partiellement. En attendant le début de God of War lundi, je vous propose d'avoir du Metroid tous les jours pour pas qu'il y ait des jours où il n'y a rien. Donc en gros, ça vous fera théoriquement un épisode bonus de Metroid jeudi, si je dis pas de bêtises. Et voilà! Allez, tous ensemble, on dit au revoir à Spider-Man et à l'univers Marvel. On y reviendra peut-être s'il y a d'autres jeux Marvel sympas à tester. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, moi je m'arrête là-dessus. Je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens, ne changez pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!